activité de une adaptation de l'activation axiale qui a été développée par Paul Denison en éducation kinesthésique. Et là, on va l'appeler le 2-4-6-8 pour activer le quadrangle, donc c'est-à-dire les deux épaules et les deux hanches au niveau du corps, et travailler ce réflexe de centrage, la stabilité, la coordination entre les tâches des épaules et les tâches du bassin. 2-4-6-8. On va réveiller chaque épaule séparément d'abord. 2, 4, 6, 8. Je vais vous expliquer après. 2, 4, 6 et 8. 2, 4, 6 et 8. Qui est là? C'est Macha et le monde entier. Donc comment on a fait le 2, 4, 6, 8? T'en as marre? Alors j'explique toute seule, tu vas courir toi? Alors le 2, 4, 6, 8, j'ai d'abord réveillé chaque point du quadrangle séparément. J'ai poussé sur son épaule en direction du nombril. Passe pas devant la caméra, s'il te plaît. J'ai poussé en direction du nombril. Donc j'ai fait chaque épaule et chaque hanche séparément. 2, 4, épine iliaque vers le nombril. 6 et 8. Après, j'ai stimulé la combinaison homologue, qui soutient les mouvements homologues du haut et du bas du corps. Donc les deux épaules à la fois vers le nombril. 2, épine iliaque vers le nombril. 4. 6 et 8. Et puis en combinaison homolatérale, un côté à la fois, un hémicorps après l'autre, toujours vers le nombril. 2, 4, 6 et 8. Et enfin, en combinaison croisée. Qui est là? C'est Macha et le monde entier. Sur et le monde entier, j'attrape l'enfant ou l'adulte ici au niveau des bras, pas trop haut au niveau des bras, mais avant le coude. Et je procure un petit étirement ici, des côtés du corps. Je ne vais pas agiter les bras comme ça, mais j'étire ici.